Cet été, je prendrai le petit fiche là, parce que j'arrive à surfer avec quand il y a 50 cm et quand il y a 1,20 m, et puis c'est ma planche de tous les jours en fait. Et même pour les compètes et tout ça, je prends celle-là, donc c'est top quoi. Un tail assez large, je vais dire en 5-6 ou 5-7, assez fine. Et de largeur 19, 19 un quart. Ma planche normale, c'est on va dire 5-10, 5-11, 18 un huitième, 2 un huitième, avec un double concave. Et sinon, mon petit fiche, c'est une plus petite, c'est 5-7, 19 un quart et 2 un huitième. Donc voilà, c'est un peu plus large, mais bon, ça permet de flotter et d'avancer quoi. Les vagues, elles sont assez plates à Bidart. Je préfère surfer avec des planches assez plates, donc qui gardent la ligne et qui en fait qui se met vachement à la surface de l'eau quoi, qui va aller plus vite Un peu de rocker. quoi. Ouais, très peu de rocker. Je surfe généralement avec des planches petites parce que je préfère beaucoup plus et je fais beaucoup plus vite avec une planche petite et puis j'arrive presque à surfer avec dans 2 mètres avec une planche comme ça, donc je vois pas. Franchement je suis que. Enfin je suis comme. Je préfère plus Kiddy Kelly Slater que les autres en fait. Mais il y en a beaucoup qui disent que les planches, les 6 pieds, tout ça, ça reste en général quoi. La planche que tout le monde surfe. On s'est rencontrés quand j'avais 13-14 ans et depuis il m'a fait les boards et puis on travaille pas mal dessus. Il me fait des petites planches, vraiment c'est des fusées et on essaie de travailler plus sur les planches un peu plus grandes, les 5-11, les 6 pieds. Parce qu'en fait mon surf change, donc du coup il change pas mal de trucs sur les boards et puis voilà, on bataille un peu quoi. Ça Mais donne. il me connaît par cœur et il sait comment je surfe. Je pense que j'en utilise entre les guns et tout ça, je dois en utiliser une dizaine, peut-être une petite douzaine. Et puis je m'en fais chéper pas beaucoup, hein, 7, 6, 7. Ouais. J'ai ramené des Chili d'Australie là l'hiver dernier puis les années avant aussi et des Arakawa d'Hawaï, des guns vraiment graves et sinon il y a Alberto de RT qui m'a fait deux petites planches vraiment gravissimes d'ailleurs et voilà quoi. Ouais, je vais souvent, pas souvent mais je ramène quelques-unes. Parce que bah, je pense que c'est le boss pour tout le monde parce que bon il crée des manœuvres en quelque sorte quoi. Des manœuvres que personne n'a vu et puis sinon il y a la nouvelle génération, il y a John John qui charge grave Craig Anderson le style, y a plein de trucs ouais franchement il y a toute la nouvelle génération qui surfe grave quoi.